Salut les amis, j'espère que ça va et que vous m'entendez. Alors vous avez dû remarquer, je lance un live complètement à l'arrache aujourd'hui. En fait, je pensais pas du tout que j'aurais le temps de faire une vidéo et finalement j'ai eu un peu de temps dans l'après-midi. Je me suis dit que plutôt que de rien faire, bah, ce serait plus cool de tenter de faire un live. Donc on va voir s'il y a un petit peu de monde qui est au rendez-vous ou pas, ce serait super cool. Et puis sinon, bah, c'est pas très grave, hein, on reportera ça à une autre fois un peu mieux organisée. Alors du coup, je vais aller voir. Donc apparemment vous m'entendez, donc ça c'est cool. Ok. Est-ce que vous entendez la guitare aussi? Est-ce qu'on est bon au niveau de la guitare? S'il vous plaît. Génial. Salut tout le monde. Salut McFly, merci. C'est super sympa. Merci pour tous vos messages, les gars. Ok. Bon, écoutez, ce que je vous propose, vu que là, j'avais vraiment même pas prévenu sur aucun réseau social, on va attendre quelques minutes. Ok. Comme ça va me permettre de m'échauffer un peu, parce que ça fait un moment que j'ai pas touché la guitare, le temps qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Ok. Et puis le but, c'est de faire une FAQ aujourd'hui. Donc, bah, ça vous permet de réfléchir un petit peu aux questions que vous voudriez me poser, que ce soit sur la guitare, sur la théorie, sur la pratique, sur le matos, sur l'entrepreneuriat en ligne si ça vous intéresse, sur YouTube. Enfin bon, bref, voilà, je suis ouvert à tous les sujets. Donc je vous laisse méditer un petit peu là-dessus pendant que je me chauffe un petit coup. Il faut vraiment que je m'échauffe là, hein. C'est la cata. Voilà, attendez, je regarde en même temps vos messages. Y a-t-il des modes à part ce que nous connaissons? Ok, bon, ouais, ça peut être ça. Ah, salut David, ça va? Faire un petit quai de bouche là, pour patienter. Thank you.
arrêter là le massacre, les amis, parce que j'ai, j'ai voulu faire le cake en lançant le live direct sans m'échauffer, c'est la cata. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est les aléas du direct. Bon, super, je vois que vous êtes nombreux au rendez-vous, ça fait trop plaisir. Lesquelles le sont ok. Salut depuis la Martinique, salut. Coucou, y a-t-il une manière plus simple avec des doigts écartés pour jouer Every Breath You Take? Merci pour le tuto Fix You. Ah, trop cool, si tu les as vus en live, Coldplay, ça devait être génial, Philippe. T'as du bol. Un petit Master of Piolet pour rester dans le thème Stranger Things. Ah, franchement, il était cool cet épisode avec Metallica, là, j'ai adoré, c'était bien stylé. Carrément génial. J'ai récemment fait l'acquisition. Bon, bah, c'est bien, je vous sens au taquet, les amis. Là, il y a plein de messages, plein de questions, c'est cool. Alors, on va essayer de prendre ça dans l'ordre. Alors, j'ai vu une toute première question. Alors, y a-t-il des modes à part ce que nous connaissons, exemple ionien, etc. Alors déjà, tu ne m'aides pas beaucoup parce que ionien, etc., du coup, je ne sais pas ce que tu connais à part le mode ionien, je ne sais pas ce que tu mets dans etc. Mais des modes, en fait, il en existe ouais, des dizaines et même des centaines, puisque dans chaque système tonal, mettons par exemple, on prend le système le plus connu qui est la tonalité, enfin le système majeur ou le système relatif mineur naturel, au sein de ce système, tu as 7 modes. Et en fait, il suffit que tu aies une seule note qui change dans un système. Par exemple, au lieu du système mineur naturel, on passe en mineur harmonique. Il suffit de modifier une seule note pour que du coup, ça crée 7 nouveaux modes. Ce sera pareil dans le mode mineur mélodique. Tu vas à nouveau avoir 7 nouveaux modes. Et ainsi de suite, à chaque fois que tu changes ne serait-ce qu'une note, du coup, ça va créer une série de 7 modes. Et si tu as plus d'une note qui change dans ton système, voilà, on se retrouve avec énormément de combinaisons possibles. Donc après, parmi toutes les combinaisons possibles, c'est comme d'habitude, en fait, il y a le principe théorique qui fait qu'il y a énormément de modes. Et puis après, il y a la réalité, on va dire, du musicien qui fait qu'on n'en utilise pas tant que ça. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément très musicaux, même s'ils marchent d'un point de vue théorique. Ou alors qui ne sont pas très pratiques à jouer. Ou alors qui sonnent d'une manière trop particulière pour qu'on puisse les exploiter. Donc c'est pour ça que finalement, on tourne toujours autour, allez, on va dire, d'une dizaine de modes, voilà, grosso modo. Parce que ce sont ceux qui sont à la fois les plus musicaux, en tout cas à notre oreille. Et puis ceux aussi qui permettent le plus de choses d'un point de vue harmonique, généralement. Voilà. Pour ça, mais si ça t'intéresse de creuser un peu les modes, alors bah, bien sûr il y a ma formation Comprendre enfin les modes, mais il y a surtout aussi le Guitar Cookbook de Romain Morlot que tu peux découvrir sur Guitar Cook TV si tu connais pas encore sa chaîne. Et là du coup dans le Guitar Cookbook, alors tu vas pas forcément avoir l'explication de comment on construit une tonalité, comment on construit les modes, mais par contre c'est un dictionnaire de dingue dedans, je pense que t'as quasiment tout qui est référencé. Et du coup si tu veux aller essayer voilà, de découvrir des couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire et approcher voilà, des matériaux musicaux qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser, c'est hyper instructif et il y a vraiment plein de recettes qui sont très cool dans ce bouquin, donc n'hésite pas à aller jeter un œil là-dessus. Voilà, alors ensuite, est-ce qu'il y a une manière plus simple avec les doigts écartés pour jouer Every Breath You Take? Bon bah déjà, t'as vu comment je l'ai joué, là, c'était, c'était un gros carton. Alors, en fait, tu peux le jouer d'une manière plus simple, notamment en changeant la tonalité du morceau, en utilisant un capot, mais par contre, si tu veux vraiment avoir exactement le même son que dans Police. Voilà, ce petit enchaînement-là, en fait, de notes, la manière dont elles sont organisées, et puis aussi le fait que tu puisses bien muter tes cordes, là. Ça va être vraiment compliqué de le retrouver avec d'autres combinaisons de doigts. Donc voilà, malheureusement, ce morceau-là, si on veut vraiment le faire sonner comme l'original, il faut en baver et bosser les écarts de doigts. Et clairement, il est compliqué, hein, tu vois, même moi, je ne suis pas encore très au trait sur ce truc-là. Bon, il faudrait que je bosse un peu plus sérieusement. Ensuite, merci pour le tuto Fix You, ça j'avais vu tout à l'heure. Merci à toi, super si ça t'a plu. Alors, ensuite, j'ai récemment fait l'acquisition d'un Roland GR55. Je voudrais savoir s'il m'est possible de créer des sons et des patchs de guitare avec des effets habituels qu'utilisent les guitaristes.
Alors attends, j'ai un bug. Qu'est-ce que c'est déjà le Roland GR55? C'est le synthé, il me semble. Je suis en train de vérifier sur Internet. Ah oui, c'est ça, c'est le pad Roland GR55 Black. Ok, alors ça, très franchement, je connais pas du tout bien cet outil-là. J'en suis jamais trop servi. Mais à mon avis, c'est tellement puissant comme outil que je pense que tu vas pouvoir retrouver beaucoup de sons. Par contre, ça va plutôt être très cool pour créer des textures, tu vois, pour aller chercher de la modélisation sonore, sculpter un petit peu le son, créer des ambiances. Je pense que si vraiment tu veux recréer des patchs de son, par exemple à la manière de Santana, à la manière des Doors, à la manière de Metallica ou machin, ce sera un multi-effet qui sera beaucoup plus adapté, du type Helix de chez Line 6 ou chez Mooer, voilà, mais les multi-effets guitare, où là tu vas vraiment pouvoir combiner plusieurs pédales, même si elles sont numériques, alors que sur le GR55, en fait, tu viens vraiment capturer le son de ta guitare et tu viens de numériser pour le transformer en synthé, donc c'est pas tout à fait la même philosophie d'outil. Et si vraiment ce que tu cherches est à recréer des patchs pour avoir des sons de guitaristes connus, je suis pas sûr que ce soit le plus adapté. Bon, je ne sais pas si ça va beaucoup t'aider, ma réponse. Bon son, c'est bon pour les oreilles. Ouais, bah t'es tolérant, parce que franchement, c'était vraiment dégueulasse ce que j'ai joué. Salut Jean-Pascal, j'espère que ça va bien. Bonjour de la plage. Ah, le Vénard, t'y es déjà. Moi, c'est bientôt, là, les vacances, mais pas encore tout de suite. Salut, tu ressembles à mon pote Fabien Silva. Bah écoute, je sais pas qui est Fabien, mais ça doit être un gros beau gosse du coup. Moi, j'ai dû prendre une nappe pédalier pour une répète demain, mais bon, pas le choix, ça fonctionne. Ok. Juste pour te dire un grand merci pour la formation Led Zepp. Bah avec grand plaisir, Fifi Malone. Franchement, j'espère que ça t'a plu. Au cas où vous seriez passé à côté de l'info, hein, je fais un petit rappel rapide. Mon tout premier masterclass qui était improvisé à la manière de Stairway to Heaven, qui avant était payant, hein, du coup, je l'ai passé en gratuit sur le site de Guitar Plug and Play, parce que bah, j'estimais qu'en termes de qualité de production, ça avait pris quand même un petit coup de vieux. Il y a notamment un léger décalage entre le son et l'image. Donc voilà, c'est plus du tout au niveau des nouveaux standards de mes formations sur Guitar Plug and Play. Et du coup, plutôt que de le supprimer, je me suis dit que c'était trop bête, j'ai préféré le laisser en accès libre. Donc du coup, ça clôt d'une belle manière, on va dire, tout le parcours gratuit des formations sur Guitar Plug and Play. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Et puis si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, ben, c'est comme d'habitude, hein, vous pouvez participer en achetant le pack boosté Cepinta au prix que vous voulez, mais il n'y a aucune obligation. Et je vois que les inscriptions en cours ont bien explosé là, en une semaine. Je crois qu'il y a eu plus de 600 inscrits. Et ça me fait super plaisir. Hein. Tant mieux s'il peut servir et que vous vous éclatez avec. C'est vraiment le but du jeu, donc profitez-en surtout. As-tu des tutos prévus pour bientôt, Jean-François qui me demande. Mais écoute, ça va revenir en septembre. Là, je te cache pas que c'était vraiment compliqué pour moi l'été parce que pas mal de sujets perso à gérer. J'ai eu énormément de journées de cours aussi. Donc là, j'avais vraiment du mal à continuer à avancer sur le masterclass musique et cinéma. D'ailleurs, je suis vraiment désolé hein, pour tous les membres de la prévente. Je prends un retard énorme sur ce truc-là. Mais parce qu'entre-temps, je me suis posé aussi des questions sur les droits d'auteur, etc. Donc voilà, désolé pour ça. Mais voilà, tout ça va avancer très efficacement là, pour la rentrée, c'est promis. Et du coup, bah, on va reprendre un rythme normal de vidéo, voilà, je pense à partir de mi-septembre, parce que je vais revenir un petit peu en dilettante deuxième quinzaine d'août. Donc je ferai peut-être une petite vidéo ou un petit live, et puis après je repars un petit peu en vacances début septembre. Donc on retrouvera un rythme normal de tuto à partir de mi-septembre. Et puis là, bah évidemment, ce sera un tuto par semaine, comme d'habitude, le vendredi à 14h, avec les loop and play, les riffs du jour, et voilà, tout ce que vous connaissez habituellement, évidemment. Plug and Switch TV, salut, merci pour tes encouragements, c'est cool. Jean-François, pourrais-tu faire un tuto sur Get Lucky? Bah écoute, il y a déjà deux tutos sur Get Lucky, sur Guitar Plug and Play, tu les as peut-être pas vus parce que ça remonte un petit peu, c'était au début de la chaîne, mais tu tapes Guitar Plug and Play Get Lucky, tu verras, il y a une version assez facile, on va dire, même si le morceau reste quand même pas évident à jouer parce qu'il faut maîtriser les barrés. Mais donc il y a une version assez abordable et puis après la vraie version avec une rythmique un peu plus avancée. Puis c'est un format loop and play, donc à chaque fois je propose aussi des petits exemples de phrases solo pour pouvoir improviser dessus. Donc tu devrais trouver ton bonheur normalement là-dessus, sans trop de problèmes.
Ensuite, bonjour les guitaristes, une double question technique, la différence entre renversement et drop 2 ou drop 3 et comment bosser les drops sans se perdre. Alors écoute Grégory, je vais botter en touche sur cette question parce que c'est une très bonne question, mais là j'ai peur qu'on s'embarque dans des explications théoriques qui risquent un peu de perdre tout le monde, donc je te conseille d'aller regarder, j'en profite pour faire un peu de pub pour les copains, tu vas regarder sur le site de Acta Guitar là, de Samy, je crois qu'il a fait tout un cours, alors je ne sais plus s'il est gratuit ou payant, mais en tout cas je suis quasiment sûr et certain qu'il a un cours justement sur les drops, sur comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire ces fameux mouvements de tierces, etc. Enfin, modifier les notes au sein de ton accord. Je te conseille d'aller regarder ça là-dedans, parce que franchement, d'y répondre en 2 secondes, ça va plus t'embrouiller qu'autre chose. Donc voilà, ça c'est une piste intéressante, et n'hésite pas à jeter un coup d'œil aussi sur sa chaîne YouTube, bien sûr, Acta Guitar. Pareil, si tu tapes Acta Guitar Drop, je pense que tu devrais trouver des vidéos. Voilà, c'est une bonne piste pour aller chercher. Désolé, je botte un peu en touche, mais je vais essayer de traiter des sujets voilà, qui parlent à la majorité. Ok, bonjour, existe-t-il une pédale pour créer une nappe musicale avec un accord de Do par exemple qui sonnerait longtemps? Alors oui, bien sûr, ça existe. Tu as la Electro Harmonix Freeze qui te permet de geler. Alors, même si tu joues un accord, ça va généralement en fait ça va créer un espèce de drone. Tu vois, je l'ai sur mon pedalboard là. Donc, là, je fais une note et puis quand j'appuie sur ma pédale. Ça me maintient la note, et puis après j'ai un bouton de volume. Où je peux venir modifier l'intensité, alors je peux le faire aussi avec un accord. Ça, c'est hyper pratique comme pédale si tu veux, par exemple, comprendre l'harmonie, si tu veux bosser un peu les modes, etc., t'amuser à manipuler les couleurs sur des accords, c'est hyper pratique. Et donc, il y a plusieurs modes sur la pédale. En fait, soit tu maintiens appuyé et dès que tu relâches, le son va se couper, ou soit tu cliques une fois et puis là, ça bloque le son indéfiniment jusqu'à ce que tu recliques. Donc bon, c'est pas donné comme pédale parce que je crois qu'elle coûte autour de 130 euros, je vais pas te dire de bêtises, donc c'est toujours un peu chiant de lâcher autant d'argent juste pour ce petit effet tout bête. Mais si t'as besoin d'un drone ou si tu veux bosser un petit peu ta compréhension de la musique, c'est un super bon investissement. Alors il y a peut-être des équivalents maintenant chez d'autres marques, c'est possible, il y a peut-être aussi des produits qui sont moins chers que ça. Mais en tout cas, la référence, c'est la Freeze de chez Electro Harmonix. Voilà, alors où est-ce que j'en suis? Je me suis paumé dans les commentaires. Bonjour Thibaut, composes-tu et as-tu des projets en ce sens? Alors écoute, des compos, je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre live. Non, aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. J'ai fait des compos il y a quelques années. Que t'es assez cool, mais en fait j'arrivais pas vraiment à créer ma propre identité. Je me rendais compte à chaque fois que c'était énormément pompé d'autres groupes ou que j'avais fait des mélanges de plusieurs styles, mais voilà, j'avais du mal à créer ma patte. Et puis c'est vrai qu'après j'ai pas forcément persévéré là-dedans. Et puis on va être très clair, hein, moi je me considère vraiment plus comme, on va dire, un entrepreneur en ligne et un prof de guitare. Moi, mon métier, c'est vraiment la transmission, c'est vous aider à mieux comprendre l'instrument, et en aucun cas comme un grand artiste ou comme un compositeur. Moi, je suis assez fort pour comprendre les mécanismes et pour les reproduire et les adapter à ma sauce, mais je trouve que tout le côté créatif, c'est vraiment un autre volet et qui est extrêmement compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas trop le sujet, puis honnêtement, j'ai pas beaucoup le temps quand on est avec mes copains et qu'on se fait des répètes, on est plus en jam pour se défouler un bon coup, parce que moi je préfère garder toute cette partie-là comme une récré. La guitare, c'est déjà mon quotidien toute la semaine, donc en fait le jeu en groupe, voilà, je préfère l'avoir, c'est les copains, le pack de bière, et on passe un bon moment sans se prendre la tête, plutôt que de vouloir avancer sur un projet vraiment musical, en tout cas un peu plus abouti. Peut-être que ça arrivera plus tard, hein, parce que c'est quelque chose qui me titille et que j'aimerais faire, mais en tout cas, voilà, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Salut, j'ai une Gibson standard et actuellement je joue sur un vieux Marshall 80-40. Que me conseillerais-tu pour le changer? Oh, bah alors là, Alain, c'est hyper compliqué cette question parce qu'il y a tellement de possibilités, puis ça dépend vraiment de ce que tu cherches comme type de son. Déjà, pourquoi tu veux changer ton ampli? Est-ce que c'est parce que le son ne te plaît plus?
Auquel cas, bah là, c'est tout à fait légitime. Mais si tu te dis juste qu'il est vieux et que les plus récents doivent être mieux, c'est pas forcément une évidence. Donc voilà, tout dépend de ce que tu vas vouloir faire. Après, tu as peut-être aussi un problème de puissance de ton ampli. Je ne sais pas dans quelle configuration tu joues. Mais alors, si voilà, il faut te poser les bonnes questions, en fait. Moi, je ne peux pas te donner comme ça un modèle d'ampli, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais va voir sur le site de Guitar Plug and Play. J'ai fait tout un article qui donne des conseils sur comment choisir le bon ampli adapté à ses besoins. Est-ce que tu as besoin de puissance ou pas? Est-ce que tu veux des lampes ou pas? Est-ce que tu as besoin de pouvoir couper le son et de jouer au casque? Est-ce que tu veux t'enregistrer sur ton ordi? Et voilà, en fonction de toutes ces questions-là, j'oriente aussi vers plusieurs types d'ampli. Donc ça se trouve sur le site de Guitar Plug and Play, dans la rubrique blog. Tu verras en haut du site, tu cliques sur blog. Et puis voilà, tu regardes dans la liste des articles, il n'y en a pas 50 000 non plus. Et je pense que tu devrais avoir pas mal de pistes de réflexion là-dedans. Et puis si tu as des questions, il y a un espace commentaire en dessous, donc t'hésites surtout pas à me poser des questions. Puis si voilà, si tu arrives un petit peu plus à affiner tes envies, bah là je t'aiderai avec grand plaisir. Tu es carrément à la bourre sur le master. Ouais, c'est bon David, là, c'est pas parce que j'ai un trimestre de retard que tu as le droit de me tacler. Mais non, je suis complètement à la bourre encore une fois. Je suis désolé pour ça. Mais la suite n'en sera que meilleure, c'est promis. Et puis pour la peine, il y aura peut-être un chapitre bonus qui n'était pas prévu, histoire de vous remercier pour votre patience, les amis. Salut Thibaut, je suis tombé récemment sur cette chaîne quand j'ai commencé à vouloir me procurer un looper RC500. Moi, je suis désolé, du coup, je lis les commentaires tout haut, mais parce que pour que vous puissiez vous y retrouver. Puis je sais qu'il y en a souvent aussi qui écoutent ça, peut-être en voiture, etc., sans regarder l'image. Donc ça vous permet de suivre un peu ce qui se passe. Donc j'ai découvert la chaîne, je me suis procuré un looper RC500, basse guitare et micro branché. Je m'éclate, merci pour toutes ces. Bon, bah ok, bah trop cool, Nospi. Ravi que tu t'éclates avec ton looper. Tu vas voir qu'il y a vraiment de quoi faire avec le RC500, il est trop cool. Avec tous les loop and play là sur la chaîne, tu devrais avoir de quoi t'occuper pendant quelques semaines. Donc éclate-toi surtout, c'est trop cool. Rassure-moi, le bois sur une guitare électrique ne sert à rien au niveau du son. Non, le son du bois, j'ai du mal avec une électrique. Ouais, alors ça, c'est un vaste débat. Alors moi, je suis pas luthier déjà. Franchement, j'y connais pas grand-chose à part les grands classiques du l'aulne, c'est assez polyvalent. L'acajou, ça va sonner plus sourd. Enfin, moi, j'ai jamais fait d'études acoustiques pour savoir le pourquoi du comment. Le fait est qu'en effet, entre une Les Paul et une Strat, il n'y a pas photo. La Les Paul a un son qui est beaucoup plus fat et beaucoup plus sourd. Est-ce que c'est lié au micro? Est-ce que c'est lié à la touche du manche? Est-ce que c'est lié au bois? Probablement un petit peu tout ça. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure le bois va influer. Après, c'est pareil, tu vois, entre une Strat. J'ai pas ma Strat dans les mains, mais entre une Strat avec une touche palissandre et une Strat avec un manche érable et touche érable, clairement il y a une différence de claquant. Donc je pense que dans tous les cas, il y a quand même une petite part du son qui est liée au bois. Après, clairement, je pense que la plus grande partie de ce qu'on entend, ça vient surtout de l'électronique, ça, il n'y a pas photo. Mais pour autant, le bois a forcément une incidence dans une certaine mesure. Après, moi, très franchement, quand je choisis une guitare, c'est pas du tout par rapport au type de bois. En fait, je veux savoir si elle sonne ou pas et si j'aime la jouer. Et je me pose pas beaucoup plus de questions que ça. Voilà. Mais après, voilà, du coup, te rassurer. Moi, je ne sais pas si ça te rassure ou s'il y a besoin d'être rassuré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moins besoin d'être exigeant que sur une guitare acoustique, ça, c'est clair. Peux-tu nous montrer ton pedalboard du moment? Ah, c'est bête parce que là, je peux pas le faire parce que si je bouge la caméra, ça va être le vrai bordel. J'avais fait une vidéo là sur mon pedalboard, mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu quelques petits changements. Mais dans l'ensemble, c'est toujours à peu près ça. Donc tu pourras aller regarder. Hein, elle s'appelle je sais plus comment, je vous montre mon pedalboard ou un truc comme ça. Où là, je détaille toutes les pédales, tout mon chaînage. Et qu'est-ce qui a changé depuis? Je pense que la seule chose qui a changé, c'est que j'ai rajouté du coup la Ego Driver de chez Anasounds pour remplacer ma East River Drive de chez Electro Harmonix, alors que j'ai toujours, mais en fait je l'ai mis sur mon autre pedalboard, mon pedalboard que je trimballe un peu partout, là mon gros pedalboard il reste à la maison. Et voilà, c'est une Tube Screamer-like, mais qui a un son de dingue, avec beaucoup de réglages dessus, et j'aime vraiment beaucoup. Bah, tu vois, là, par exemple, là, je suis avec ma Savage, donc toujours de chez Anasounds, qui est quasiment tout le temps allumée. Et là, je viens rajouter par-dessus, je vais la stacker avec la Ego Driver.
tu vois, ça permet vraiment d'avoir un son bien massif, mais c'est pas non plus une disto, tu vois, ça reste un peu plus, je sais pas, avec un peu plus de corps, un peu plus de médium. Donc j'aime bien ça. Et puis si je la mets toute seule, donc là j'ai toujours les deux pédales, là je vais enlever la Savage. Bon, forcément j'ai perdu un peu de volume, donc j'en rajoute. Tu vois, c'est une pédale très très polyvalente. Alors là, j'ai le gain au minimum en plus, hein. Si je me mets avec le gain au milieu. Il y a pas mal d'autres petits réglages qu'on peut faire dessus. Là, je suis resté sur le très basique. Mais voilà, c'est une pédale que j'aime beaucoup. Et puis, il y a une tonalité qui est très, très large. En fait, tu peux vraiment... tu n'as pas ce côté trop criard qu'il y a parfois sur les tube screamers standards. Tu vois, là, tu as vraiment un très bon contrôle de ta tone. Donc, c'est une pédale que je trouve très, très cool. Enfin, le rapport qualité-prix est vraiment super. Voilà, mais donc à part cette pédale-là, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres changements encore par rapport à ma vidéo sur mes pédales board, donc tu peux aller voir ça. Salut, petit... Alors, attendez, est-ce que du coup, il faut que je remonte un peu. Alors, salut, tu peux nous montrer ton plan et ton riff préféré. Pouah. Ça, c'est horrible comme question. Franchement, je sais pas, je saurais pas te répondre là comme ça. Mon plan et mon riff préféré. Je passe. Je vais y réfléchir pendant la vidéo. Mais il y a tellement de riffs trop cool. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais y réfléchir en trame de fond là. Un grand merci pour ta vidéo sur la Trio Plus. Bah avec grand plaisir, super si ça t'a plu. Une petite question, ça coûte cher de payer les droits d'auteur pour jouer devant un public et comment faire? Alors là c'est pareil, moi c'est pas trop mon domaine ça Hugo, j'ai peur de te dire des bêtises. Il faut que tu te rapproches de la SACEM pour avoir ces informations là. Et tu peux surtout aller regarder la chaîne de Franck qui s'appelle 507 heures. Et Franck, en plus d'être youtubeur, il est intermittent du spectacle aussi. Donc lui, c'est une vraie machine pour tout ce qui concerne les droits d'auteur, le statut d'intermittent, comment ça fonctionne. Voilà, tous les détails, que ce soit administratif, juridique, technique, etc. C'est une mine d'or, sa chaîne, et il est super sympa aussi. Donc n'hésite pas à aller découvrir son travail, ça s'appelle 507 heures. Et je pense qu'il a dû faire une vidéo sur le sujet pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les droits d'auteur quand tu veux faire de la prestation, soit sur scène ou soit dans la rue. Et tu devrais trouver toutes les infos, et ce sera beaucoup plus pertinent que moi, à mon avis. Eddy, ben merci à toi. Super si tu passes du bon temps sur Guitar Plug and Play, c'est cool. Salut Laurent. Ensuite, Alain, bonjour Thibaut, pourrais-tu me faire une démo pour faire un picking afin de faire sonner les notes en utilisant le majeur? Me suis-je fait comprendre? Alors, je suis pas sûr que j'ai bien compris. Alors, peut-être que tu parles du hybrid picking. Le hybrid picking, où du coup, on va venir... Pour moi, je pense que tu parles de ça. En fait, là, je viens mélanger le médiator plus le majeur que je rajoute ici. Et en fait, ça me permet de choper deux notes en même temps. Et ça, c'est un effet très cool, bah, notamment pour les petits plans blues. Ça va très
très bien marché. Et si tu parles bien de ça, j'ai fait un tuto justement pour montrer un petit peu cette technique, pour débuter avec cette technique. Et je crois que ça s'appelle Hybrid Picking façon Stevie Ray Vaughan ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un tuto autour de Stevie Ray Vaughan. Donc, tu devrais retrouver ça assez facilement sur la chaîne, soit en tapant Stevie Ray Vaughan, soit Hybrid Picking, ou soit en regardant dans ma playlist blues aussi. Et là, j'explique tout pas à pas comment ça marche. Et tu vas voir un ou deux petits plans pinta très cool que tu pourras utiliser partout avec cette technique. Donc voilà, j'espère que je t'ai bien compris et que c'est ce que tu voulais dire. Ensuite, merci pour ton super tuto Pink Floyd, je me suis éclaté. Ah bah cool, ça me fait plaisir. J'ai hésité à le sortir, celui-là je me suis dit, oh la vache, 50 minutes, là je vais perdre tout le monde. Mais non, en fait je suis hyper content, ça a l'air de bien vous plaire. Et pour un format aussi long, non, je suis très content, il a l'air de bien avoir pris. Donc moi je me suis éclaté à le tourner ce tuto et je suis vraiment ravi que ça vous plaise, c'est trop cool. Du coup je réinvestis l'utilisation du bottleneck dans mes compos. Ah bah génial. Génial, moi aussi je l'ai ressorti pour l'occasion parce que je m'en sers très peu et je me suis dit que c'est tellement cool comme accessoire le bottleneck. Mais bon, le problème c'est qu'après pour bien le maîtriser, c'est des années de boulot quoi. Donc il faut prendre le temps, mais ça vaut le coup. Moi j'adore ce son. Quelle est l'utilité de ton capteur X de Two Notes en arrière-plan vu que tu utilises la SIMUHP de ton préample clean de chez Two Notes sur ton board? Eh bien, en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que moi, pour faire toutes mes vidéos, tous mes lives, etc., pour jouer à la maison, en fait, je m'embête pas parce que je sais que sur le board, tout est réglé à peu près au niveau de mes volumes, de mes pédales, de mes machins. Et surtout, malgré tout, même si le clean est super cool et tout, j'ai quand même moins de dynamique que sur le Mesa. Et le problème du Mesa, c'est qu'il y a un tel monde, en fait, entre le clean, qui a un switch qui permet de passer d'un clean-clean à un clean un petit peu plus sale et plus dynamique, et ensuite avec la disto qui est énorme, et du coup, même avec le Captor X, en fait, c'est compliqué de gérer ça en home studio quand tu veux changer de canal. Et moi, je passe mon temps, en fait, sur le Mesa à passer du canal clean au canal disto, à changer les réglages sur le clean. Et là, en fait, le Captor X, alors c'est pas du tout que le Captor X est pas bien fait, il y peut rien, le pauvre Captor X. C'est juste ma carte son qui prend cher, parce que vu qu'à chaque fois je modifie les réglages sur mon ampli, il y a une telle plage de dynamique que c'est compliqué à gérer, et du coup, quasiment à chaque fois, j'ai le vu-mètre qui explose, donc il faut que je rebaisse, le gain sur la carte son, que je refasse des réglages, etc. Et du coup, c'est un peu pénible. Donc moi, le Captor X, je m'en sers énormément ben, quand on fait des répètes, voilà, ou si à l'avenir je rejoue un peu sur scène, ben là pour le coup, pour rentrer en direct console, là c'est beaucoup plus permissif quand tu es dans un environnement de scène et que tu balances le son en live, ce sera beaucoup moins gênant d'avoir des modifications de dynamique, les enceintes encaisseront beaucoup mieux que la carte son. Et donc voilà, moi je continue de m'en servir tout le temps, et puis même en fait quand on est en groupe, j'ai quasiment tout le temps la réduction de puissance qui est enclenchée tellement il est bourrin en fait mon Mesa. Donc voilà. Mais en tout cas, en effet, au quotidien, dans tout ce que tu vois sur YouTube et dans mes formations, du coup, je me sers pas du Captor X. C'est pas que je me sers pas du Captor X, en fait, c'est que je me sers pas de mon ampli. Voilà, par contre, tu vois, j'aurais un ampli qui fait que du clean. Du coup, là, je pense que il serait tout le temps branché. Mais en l'occurrence, en fait, cet ampli, il est tellement cool que quand je le joue, j'ai aucun effet dessus. Enfin, si, généralement, je mets peut-être un delay dans la boucle d'effet et c'est tout, quoi. Parce qu'en fait, il fait tout dedans. J'ai le clean, j'ai le drive, j'ai une disto de dingue. Et il suffit à lui-même, quoi. Donc, voilà, c'est une autre philosophie. J'espère que je t'ai répondu à peu près. Quand tu fais un solo impro, hein, tu as un riff qui revient souvent? Bien sûr, de toute façon l'impro, tu sais, au final ça sort pas de nulle part, hein. L'impro, c'est juste qu'à force tu apprends tellement de petites phrases que tu arrives à les automatiser et tu les fais sans forcément t'en rendre compte, mais c'est vraiment ça, tu viens coller plein de micro-segments que tu as appris. Et donc moi, même si tu regardes un peu mes vidéos, tu vas voir que très souvent, en fait, j'ai un peu des gimmicks répétitifs qui reviennent tout le temps. Tu vois, par exemple, je commence presque toujours... Tu vois, un truc comme ça, je le fais quasiment tout le temps. Ça, je le fais tout le temps. Et aussi cette petite montée, là. Plan un peu.
Voilà, là, c'est vraiment, en fait, c'est des petites cellules que je suis tellement habitué à jouer que j'ai même plus besoin d'y réfléchir, si tu veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans l'impro. En fait, il faut que quand tu improvises, voilà, tu aies ta zone de confort, tu vois, où tu sais que tu as tes petits plans un petit peu automatiques qui sont tellement bien intégrés que tu les fais sans réfléchir. Et du coup, bah, tu as un petit moment où tu vas essayer d'aller te mettre un petit peu en danger. Et c'est là que ça va être intéressant parce que tu vas amener un petit peu plus de couleurs et tu sais que derrière, tu peux retomber sur tes pattes, pareil, avec un petit riff que tu connais bien. Et en fait, petit à petit, à force de travailler comme ça, bah, c'est là que tu élargis ton vocabulaire et que tu vas automatiser de plus en plus de choses. Voilà, mais au final, un très bon improvisateur, c'est quelqu'un qui a tellement pratiqué et qui a tellement réussi à automatiser plein de petits patterns partout sur sa guitare que du coup, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est hyper fluide et que ça sort tout seul. Alors évidemment, en plus, il y a le talent qui joue forcément, mais avant tout, l'impro, c'est des milliers d'heures de pratique. Hein. Il n'y a personne qui a pris sa guitare sans jamais avoir fait de musique et puis qui tout d'un coup était un dieu de l'impro. Ça n'existe pas. C'est vraiment une discipline à part entière. On apprend à jouer de la guitare, on apprend à jouer des morceaux et on apprend à improviser. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ce que j'essaye de vous montrer dans Guitar Plug and Play, mais tu verras que si tu reprends un petit peu bah, toutes les phrases solo que je vous montre, j'essaye de diversifier au maximum, mais même dans mes tutos, il y a quand même toujours un petit peu un tronc commun qui revient, et ça c'est bien normal. Après, chaque guitariste aussi a un peu sa signature. Mais tu vois, si je remets mon truc de tout à l'heure là, alors là du coup c'est juste qu'on est, on est dans une autre tonalité, là on est en do mineur, mais tu vas voir, je vais refaire un peu, alors c'est pas évident, t'as pas les tablatures sous les yeux, mais là je vais refaire un peu les mêmes phrases. Voilà, j'ai repris ma petite montée que je t'ai montrée. Voilà, ça fonctionne vraiment tout le temps. Puis après, bah, si là-dessus, tu vois, là, c'est ma zone de confort, on va dire, qui est très pinta, très machin. Et après, ben, petit à petit, tu vois, je vais rajouter quelques notes ou essayer un truc un petit peu plus costaud pour moi, qui va, encore une fois, me mettre un petit peu en danger. Et puis, quand je sens que ça part un peu trop en sucette, ben, je vais revenir sur un plan que je connais. Donc, tu vois, par exemple, tu peux essayer de t'aventurer un petit peu autour de Timpata, même si t'as pas beaucoup de connaissances théoriques. La musique, c'est toujours le croisement entre ce que tu maîtrises et ce que tu vas découvrir à l'instinct. Et voilà, en fait, petit à petit, tu as les deux courbes qui vont de plus en plus monter, mais ce sera toujours ça. La zone intéressante, c'est quand tu es un petit peu entre les deux, que tu as quand même un peu sécurisé le truc, mais que tu pars un peu à l'aventure. C'est ça de l'impro. Parce que si tu es tout le temps dans le contrôle absolu, tu fais des maths, en fait, tu fais plus de la musique. Donc là, tu vois, par exemple... Je suis sorti de ma pinta. Et cette note, je vois qu'elle sonne super bien sur le morceau. Et en fait, bah, c'est normal, c'est la seconde majeure. Donc après, avec un peu plus de bagage, tu fais les connexions, tu comprends que c'est une note qui est dans la tonalité et que du coup, c'est normal que ça fonctionne. Mais au début, tous ces trucs-là, en fait, je comprenais pas ce que je faisais. C'était vraiment de l'oreille. Tu vois, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, je retiens que ça sonne bien. Mince, là j'ai tenté, je vois que là par contre, ici ma case 7 elle fonctionne pas. Ça veut probablement dire que c'est une note qui est pas dans la tonalité. Bon bah c'est pas grave, j'ai fait un pain, mais il faut faire des pains en fait pour progresser. Tu sais que cette note là du coup bah, tu l'élimines de ta zone autour de laquelle tu tournes dans la pinta. Puis du coup tu peux essayer encore un demi-ton en dessous. Petit à petit, bah, ça va te permettre, tu vois, de te créer une espèce de zone autour de ta position 1 de pinta où tu vas un peu sentir que bah, tu peux y aller, tu vois, puis ça va te créer un peu des automatismes. Et encore une fois, après, tu vas faire les connexions. Mais moi, je pense que c'est important de sentir un peu ce truc-là et voilà, d'oser se mettre un petit peu en danger.
par exemple, j'ai choisi une autre approche aussi. J'ai décidé là plutôt de jouer autour de mes triades d'accords. Donc là, je vais aller très vite là-dessus parce que je vais pas te faire tout un cours sur le morceau et tout. Je vous ai pas montré les accords. Mais en gros, ici, voilà, on a un Do mineur, Sol mineur, La bémol et Si bémol. Donc là, je suis allé chercher des petits bouts de mes accords. Voilà, j'ai pris le Do mineur ici, auquel j'ai rajouté une note. Hein. Ensuite, le Sol mineur. Là, j'ai pu rajouter la seconde mineure. Ensuite, La bémol. Pareil, là, j'ai rajouté la seconde, mais cette fois-ci, c'est une seconde majeure. Et pareil sur le Si bémol, où j'ai rajouté aussi, la seconde majeure. Donc là, ça nous fait un petit enchaînement qui est assez sympa. Et donc là, bah, c'est là qu'après, ça tu peux le trouver à l'oreille, tu vas te dire, ah bah tiens, ça sonne bien quand je rajoute ces notes. Et puis, bah, si ça t'intéresse de comprendre ce qui se passe, tu vois, bah, ça typiquement dans ma formation Comprendre enfin l'harmonie, j'explique comment fonctionne une tonalité. Et donc là, bah, quand tu as compris toutes ces mécaniques-là, tu sauras que par rapport à l'emplacement des degrés dans ta tonalité, bah, en effet, sur le Sol mineur, si tu veux rajouter une seconde, ça doit être une seconde mineure. Alors que si tu veux rajouter une seconde sur l'accord qui suit, là, sur le La bémol majeur, ce sera une seconde majeure. Voilà, tout ça, évidemment, il y a des règles d'harmonie qui font que ça permet de créer des enrichissements d'accords assez simples. Mais du coup, bah, ça permet vraiment de faire des trucs assez cool. Tu vois, par exemple, par-dessus ma grille, là, je peux rajouter des secondes sur les accords, par exemple. C'est ce qu'on appelle des enrichissements, et c'est aussi une autre manière d'improviser entre guillemets, en venant mettre un petit peu plus de couleur derrière la grille d'accords. Bon, je suis peut-être un petit peu perdu par rapport à ta question initiale, mais je pense que c'est des sujets qui peuvent être intéressants à aborder. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on en était? Oui, merci de ta réponse, mais tu n'utilises pas l'éventail d'effets de ton board dans ton Mesa. C'est un peu dommage d'avoir un board aussi bien élaboré pour ne pas l'utiliser dans ton Mesa. Bah oui et non, parce qu'en fait, j'ai deux approches. Moi, j'aime bien aussi me dire que, autant je suis fan des effets, j'adore utiliser plein d'effets, et autant j'aime beaucoup avoir une approche beaucoup plus brute. Et j'ai la chance d'avoir un très bel ampli et une très belle guitare avec ma Paloma. Et en fait, t'as pas d'excuse quand t'as un aussi beau matos. Tu dois être capable de bien le faire sonner sans aucun artifice, quoi. Et donc, du coup, bah, j'essaye vraiment de travailler la texture, de me servir des micros, de me servir de la dynamique de l'ampli, de jouer sur les réglages, de jouer sur le volume, pour justement ne pas, entre guillemets, me mettre dans la facilité des effets, où je sais que je peux mettre plein de gains, du delay, du machin, et que du coup, forcément, ça va être un peu plus facile à jouer. Voilà. Donc moi, en fait, j'aime bien avoir ces deux approches. J'ai mon côté un petit peu explorateur, on va dire, sur mon pedalboard, où j'adore manipuler les effets et tout. Et généralement, sur mon Mesa, bah, j'ai plutôt cette approche beaucoup plus brute, tu vois, où je me dis, bon, bah là, allez, c'est parti, c'est guitare ampli à l'ancienne, et on y va. Et puis là, tu sais que bah, ça pardonne pas, quoi. Et puis souvent, je me prends des claques, hein, parce que bah, là, tu te dis qu'en effet, quand t'as pas la réverb, que t'as pas le delay pour masquer un petit peu les louper, bah, c'est tout de suite plus dur, mais du coup, tu progresses d'autant mieux. Après, je pourrais très bien mettre plein d'effets sur mon message, je veux dire, c'est pas le problème, c'est juste moi, ma philosophie et comment je gère le truc, mais évidemment, l'ampli prend très bien tous les effets, ça, y a pas de souci. Salut, les tablatures que tu écris, question, tu les écris ou tu joues et l'écriture se fait automatiquement? Oh, si seulement ça existait. Si seulement ça existait, un truc pareil. Mais non, là, j'écris tout, hein, évidemment, non, y a pas, à moins que je sois passé à côté d'un gros scoop, mais il n'y a pas d'outil magique qui permet de retranscrire directement, alors à moins que tu fasses du MIDI, où là ça peut éventuellement fonctionner, mais non, les tablatures, je fais tout sous Guitar Pro,
Et d'ailleurs, alors ça prend du temps, mais c'est quelque chose aussi qui permet énormément de progresser, notamment bah, pour comprendre un petit peu les structures rythmiques, sentir le débit aussi. Donc voilà, c'est un gros boulot, mais que je fais avec plaisir parce que ça, j'apprends beaucoup en faisant ça. Salut Thibaut, je ne fais malheureusement que passer, mais je souhaite bien du plaisir à tous ceux qui peuvent le suivre. Ah, salut Electron Jack, bah, c'est sympa, merci d'être passé, d'avoir fait un petit coucou, ça fait plaisir. C'est dommage aussi d'avoir un Mesa et de le cacher en lui mettant 20 pédales. Pavel, ouais, bah tu vois, c'est exactement ce que j'expliquais. Après, encore une fois, il n'y a aucun souci. Tu peux très bien jouer avec des effets sur ton Mesa. Hein. C'est juste, voilà, c'est ma manière de faire. Un petit air de Blue Hotel, David. Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce que je faisais. C'était un peu dans l'idée. Ok, bah, je crois que je suis pas trop mal là, en fait. J'ai réussi à faire le tour de toutes les questions. Bonjour Thibaut, comment régler un delay quand on débute et qu'on n'y connaît rien? Alors, très bonne question. Alors, tout dépend du delay que tu vas avoir. Mais dans l'idée, le plus simple, c'est que tu règles ton delay par rapport à la noire. Okay? Donc, tu vas avoir ta batterie. Bah, tiens, regarde, je remets la batterie là. Voilà. Donc, tu vois ici mon rythme, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là-dessus, soit tu as un tap tempo sur ton delay, et du coup, bah, tu vas taper ton rythme, ou soit tu vas un petit peu tatouiller avec ton potard de delay jusqu'à ce que tu sentes que quand tu joues ta note, ça tombe à peu près bien sur les coups de batterie. Donc là, du coup, je vais mettre le mix du delay à fond, tu vois, pour vraiment bien entendre l'effet, et je vais faire des sons très secs pour entendre la répétition. Pardon. Donc là, tu vois, c'est beaucoup trop rapide par rapport à la noire. Bon, alors en fait, tu vois, sur mon delay, je peux pas aller à la noire en fait, parce que là, je suis à fond sur la durée de l'effet. C'est un delay qui est assez court. Et du coup, je peux pas aller sur ce tempo-là, mais bon, c'est pas très gênant, voilà. Là, on a quelque chose qui est quand même assez cohérent. Et après, tout va dépendre de comment tu veux te servir de ton delay. Soit tu veux vraiment sculpter ton son avec ton delay, tu vois, un peu façon U2, etc. Donc là, tu vas mettre pas mal de répétitions et le mix à fond. Tu vois, là, ici, il y a le mix qui est à fond sur mon effet, là. D'ailleurs, au passage, je fais un tuto hein, sur Pride de U2 dans lequel je montre comment jouer le riff et comment régler le delay, hein, si ça t'intéresse, parce que là, c'est le cas d'école. Donc là, tu vois, c'est vraiment mon delay qui va sculpter mon son. Je rebaisse un tout petit peu la durée du delay. Après, tu vois, tous les trucs un peu. Ce type de son, pardon, là j'ai le mix qui est à fond. Par contre, si tu veux faire un solo avec ça, voilà, c'est insupportable à écouter en fait parce que l'effet est beaucoup trop présent. Donc là, tu vois, je vais pas trop toucher à la durée de l'effet, mais par contre, je vais rebaisser un petit peu le feedback, c'est-à-dire le nombre de répétitions de l'effet. Et puis, surtout, je vais complètement rebaisser le mix. Tu vois, je vais le mettre à peu près à la moitié pour que l'effet soit vraiment en arrière-plan. Parce que là, je n'ai pas envie de me le prendre en pleine tronche. J'ai juste envie que ça vienne créer une espèce de nappe sonore, tu vois, mais qu'on n'entend pas directement. Et pour moi, le bon réglage d'un delay pour du solo, c'est que justement, en fait, quand il est allumé, tu as l'impression qu'il n'y a pas l'effet. Et quand tu le coupes, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un vide. Ça veut dire que là, tu es bien réglé. Mais si tu entends trop les répétitions qui tapent comme ça, généralement, c'est pas très bon. Donc là, tu vois, on va voir. Toi là, c'est pas mal. Et mine de rien, quand je le coupe, là, je viens de le couper.
Voilà, on se dit, ah ouais, ok, en fait, le delay, il fonctionnait vraiment bien. Mais du coup, il est bien réglé, tu vois, parce que t'es dans la juste mesure et il n'est pas trop, trop présent. Donc après, ça, c'est pas du tout une règle absolue, c'est ma manière de faire, hein, évidemment. Après, tu peaufines un petit peu en fonction de ce que tu cherches. Mais voilà, ça, si ça peut t'aider à avoir deux grands repères, tu vois, tu as le son où tu construis vraiment ton riff de guitare avec le delay, et puis tu as le son solo où là, il faut être beaucoup plus mesuré dans la présence de l'effet. Ok, salut, que penses-tu de la Curvo, François? Alors François, je n'ai aucune idée de ce qu'est la Curvo, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi, c'est une guitare, j'imagine? Ou un... Ouais, dis-moi, ça m'intéresse, mais je ne connais pas du tout. Salut Thibaut, j'ai fait l'acquisition d'un Ibo et j'en suis content, mais maintenant j'ai des doutes. Est-ce que le champ magnétique risque de niquer les micros de mes guitares sur le long terme? Voilà, je vois pas pourquoi, hein, franchement... Techniquement, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça pose un problème, et je pense que depuis le temps que ça existe, le Ibo, s'il y avait des soucis de ce type-là, à mon avis, on serait au courant. Donc non, ne sois pas inquiet, je pense que tu peux y aller sans problème et maltraiter ta guitare à grands coups de l'arsène. Au contraire, fais-toi plaisir, à mon avis, tu n'auras pas de problème. Salut Flo. Ah, t'es toujours en vie, Flo? Ah, Florent, il a eu le courage de venir faire une journée de cours avec moi il n'y a pas très longtemps. Là, on a bien bossé. Et ouais, il a pris cher, hein, Florent, mais il a tenu. Il a bien tenu pendant toute la journée. Et c'était super cool. On s'est fait du Metallica, on s'est fait de l'impro. Et il a assuré à fond. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser, les amis. Je suis là, je sais pas du tout quelle heure il est, 18h. Ouais, allez, ça fait combien de temps que j'ai lancé la vidéo? J'en ai aucune idée, j'ai même pas regardé. Ça doit faire quoi, 3 quarts d'heure, 1 heure peut-être. Donc voilà, je suis à votre dispo si vous le souhaitez. C'était top, ok, ben cool, hein, tant mieux. Thank you.
disais tout à l'heure, j'étais en plein dans, je suis sorti de ma zone de confort et du coup j'ai fait une grosse merde dans mon intro. Mais du coup, bah, je saurais qu'il faut pas refaire ça la prochaine fois. Mais je persévère. Je suis un peu perdu. Salut Thibaut, j'ai fait l'acquisition d'un IMO. Ok, ça j'avais vu. Parlons taille de Mediator et style de musique. Penses-tu qu'il vaut mieux utiliser une seule taille? Alors, j'ai fait un tuto pareil sur le choix des Mediators, Laurent. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu tapes Guitar Plug and Play Mediator. Tu auras toutes les réponses dedans. Je pense... Encore une fois, il n'y a aucune règle absolue là-dedans, je ne suis personne pour dire qu'il faut tel ou tel médiator, mais je pense qu'il vaut mieux avoir un médiator trop rigide plutôt que trop souple, parce que tu perds vraiment en contrôle avec les médiators très souples au niveau de la précision de jeu, notamment si tu veux faire du solo. Donc moi, ce que j'utilise tout le temps depuis que je les ai découverts, c'est les médiators d'Ava, j'en parle dans la vidéo, qui sont vraiment top, parce qu'en fait, tu vois qu'ils sont assez souples ici, mais la pointe est très rigide. Donc en fait, en fonction des situations de jeu, soit je le tiens un peu comme ça, tu vois, pour de la rythmique, et du coup, j'ai la souplesse, et dès que je vais vouloir faire du solo, en fait, je le tiens beaucoup plus bas, et là, du coup, j'ai la rigidité de la pointe, donc moi, je les trouve très, très cool. Bon, après, c'est assez spécial hein, comme médiator, soit on adore, soit on déteste. En général, voilà, c'est un peu chacun son camp, mais je te conseille d'essayer si tu n'as jamais testé ça, parce que c'est un intermédiaire qui est vraiment cool. Voilà. Ou une taille, ouais, bon, du coup, voilà, ça rejoint ce que tu me demandais. Merci pour le Marshall, je vais les garder. Ah oui, c'était Alain avec ton Marshall, d'accord. Bon, bah super. Eh, tu sais, parfois, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et c'est un très bon ampli, hein, les 80-40, ils sont increvables. Donc si le son te plaît, t'emmerde pas, et continue de te faire plaisir avec. Hein. Quel tirant tes cordes? Alors, les tirants de cordes, ça dépend beaucoup du diapason de la guitare, mais moi, sur Strat et sur ma Revstar ici, moi, je suis en hybride, en 9-46. Et j'aime beaucoup ce tirant, parce que du coup, j'ai quand même une bonne assise dans les graves. Là, je peux y aller quand même assez franco sans que j'ai toutes les cordes qui partent en chewing-gum. Et par contre, bah, dans les aigus... J'ai quand même vraiment le confort de cordes assez souples pour les bends, etc. Donc vu que moi j'aime beaucoup les bends, c'est un compromis qui est assez sympa. On a quand même un petit peu plus de résistance que sur le...
que sur les cordes plus petites. Mais voilà, je trouve que c'est assez bien équilibré. Donc là, c'est pareil, hein, il faut essayer de toute façon différents tirants sur ces guitares jusqu'à trouver, pardon, le tirant qui vous convient le mieux. Après, je sais que j'aime bien aussi avoir un peu une personnalité sur chaque guitare. Par exemple, sur ma Paloma qui est derrière, j'ai un tirant de bûcheron dessus et les cordes sont beaucoup plus résistantes. Mais du coup, ça me plaît parce que j'ai un peu l'impression de... Enfin, je n'ai pas les mêmes sensations de jeu dessus et c'est vraiment, je sais pas, comme en voiture, entre... une voiture et un 4x4, voilà, c'est les deux, c'est des bagnoles avec quatre roues, mais ça se comporte pas de la même manière. Et voilà, je retrouve un peu ça sur mes guitares et ça me plaît. J'ai regardé la vidéo sur les loopers. J'ai un ampli de chambre Vox Mini 5. Ouais, je vois très bien ce que c'est, sans prise FX Loop. Quel looper me conseillerais-tu? Ouais, alors là-dessus, Christian, pour le coup, il n'y a pas trop de solutions en fait sur ces petits amplis. C'est des petits amplis qui sont géniaux, pardon, parce que tu peux les trimballer partout, tu peux faire plein de trucs avec. Moi, j'en ai un aussi, tu vois, chez mes parents en dépannage, pour pas me trimballer tout mon matos quand je vais les voir de temps en temps. Je sais que j'ai mon petit Vox qui m'attend. Mais par contre, clairement, avec un looper, c'est pas du tout adapté. Parce qu'en plus, vu que tu as un tout petit haut-parleur à l'intérieur, en fait, tout de suite, tu vas le faire saturer. Parce que dès que tu vas superposer deux couches de guitare, il va plus arriver à sortir suffisamment en termes de fréquence. Donc, c'est pas top pour ça. Après, si vraiment tu veux bricoler, tu peux tenter, en fait, de sortir de ton ampli, donc par le output, de brancher ton looper et ensuite de retourner. Donc tu sors ensuite de looper et tu branches le looper dans l'entrée auxiliaire in de ton ampli avec un adaptateur jack mini jack. Mais là, c'est vraiment du gros bricolage et franchement, je pense que le son sera pourri, mais voilà, tu peux tenter, c'est le truc à moindre coût. Mais après, voilà, très clairement, moi je te conseille plutôt d'essayer d'investir dans un ampli un petit peu plus puissant, qui saura mieux encaisser le son de ton looper. Voilà. Surtout qu'en plus sur le Vox Mini 5, si je dis pas de bêtises, t'as toutes les batteries et tout qui sont intégrées et qui sont sympas. Donc voilà, la plus-value sera assez minime avec le looper et surtout t'as le son qui va tout le temps changer dès que tu vas bouger les effets, donc ça risque d'être un peu chiant. Donc malheureusement, désolé, mais j'ai pas de solution miracle pour toi sur ce coup-là. La Curvo est une guitare à manche incurvée pour éviter le mal de dos. Ah d'accord, et des capteurs à la place des cordes. Ouais, bah, il faut que Attends, je me note ça. Curvo, je vais aller regarder après le live là, parce que ça m'intrigue ce truc-là. C'est marrant, j'en ai jamais entendu parler. Ok, bah, je regarde juste après. Merci pour le tuyau. Je vais aller découvrir ça. Sachant que mon besoin, c'est... Ah oui, pardon, c'est toujours Christian. Ouais, ok, donc tu veux un truc facile, ouais, ça je comprends bien. Mais pareil, tu peux aller jeter un petit coup d'œil sur mon article dont je parlais tout à l'heure sur le choix des amplis, sur le blog de Guitar Plug and Play, tu trouveras peut-être des pistes. Et après, voilà, pour un budget, alors c'est toujours des sous, mais pour un budget de 300 ou 400 euros, tu peux te trouver un ampli qui sera tout à fait adapté pour rajouter un looper sans problème. Hein. Là, à l'instant, tu utilises le Boss RC500. Ouais, bien sûr, je suis branché sur mon Boss RC500 comme d'habitude. Est-ce que tu aurais un plan ou deux à nous montrer pour bien débuter un solo et intégrer dans nos plans réflexes? J'en ai marre de toujours claquer un gros bend en ouverture. Ah, pourtant, c'est cool, un bon gros bend en ouverture. Moi, j'adore faire ça. Alors, va regarder déjà. J'ai une vidéo, je crois, qui s'appelle 8 secrets Pinta, où justement, je montre. Si tu es déjà un petit peu à manipuler la Pinta, que tu tournes un peu en rond, mais que tu connais quelques plans, cette vidéo, ça devrait bien te plaire parce que justement, c'est comment on sort un petit peu de ces trucs ultra basiques pour mettre un petit peu plus de vie dans ce qu'on joue. Mais après, voilà, un plan que j'aime beaucoup faire et qui va marcher quand même très souvent, ça va être... Bon, là, je vais pas rentrer dans les détails de théorie, d'harmonie, etc. De temps en temps, ça passera pas si le contexte le permet pas, mais souvent en rock blues, ça va marcher. C'est en fait de venir chercher la sixte majeure. Donc là, si on imagine qu'on est en la mineure, hein. Bah, j'aime bien venir démarrer en fait en faisant ma sixte majeure que tu peux jouer à la case 7 quand tu es sur ta position de pentamineur mineur de la en case 5. Hein. Ok, donc là tu vois, je vais démarrer sur ma sixte majeure, alors qui ne fait pas partie de la penta, encore une fois qui fonctionne que dans certains cas de figure, mais ça passe assez souvent. Et tu vois que ça va te faire un truc très coloré. Bah, tu vois, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Là tu vois, j'ai un accord de la, un power chord de la qui tourne. Tu vois,
choix de commencer dessus, bah, tout de suite, ça met une tension intéressante parce que c'est une couleur qui est très marquée. En fait, tu vois, on fait sonner le mode dorien, hein, en l'occurrence. On joue la pinta mineure et on rajoute la sixte majeure à l'intérieur. Ça, c'est la couleur spécifique du mode dorien. Et ça permet tout de suite, voilà, d'avoir ce son. On se dit, waouh, il se passe un truc un peu bizarre. Et après, je reviens stabiliser sur ma tonique à la fin de la phrase. Pour avoir ce sentiment de tension-résolution, hein, qui est vraiment une règle universelle en termes de musique, que ce soit dans la composition, pour les accords ou même pour les solos. Voilà, c'est un truc qui marche toujours très bien. Et tu vois, là, c'est tout bête, je n'ai pas fait un truc très compliqué, mais ça fonctionne super bien. Et après, bah, cette sixte majeure, tu peux l'intégrer dans plein de plans, tu vois, notamment tous les plans un peu à la Santana. En fait, on entend tout le temps ça dans les solos de Carlos. Tu vois, là, en fait, je vais poser mes trois doigts ici, là, tu vois, donc j'ai 8 avec l'annulaire, 7 avec le majeur et 5 avec l'index. Et donc, là, je vais avoir 7e mineur, 6e majeur et la quinte juste. Et là, tu vois, j'enchaîne en fait deux pull-off. Donc là, j'attaque la case 8. Pull-off. Voilà. Et ça te fait une petite racine. Et après, tu peux tourner un petit peu autour des autres notes de ta pinta. Tu vois, tout de suite, ça met une couleur qui est vraiment très cool, quoi, cette sixte majeure, que tu retrouves aussi ici, en case 4 sur la corde de Ré. Et en fait, tu prends pas trop de risques à la jouer parce que tu vois qu'en fait, quand tu montes ici, tu es sur la 7e mineure, donc une note qui est assez stable dans le système. Et quand tu reviens en case 5, tu es sur la quinte juste, donc qui elle est très très stable aussi, quasiment autant que la tonique. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui va marcher très souvent. Et si t'as pas de bol et qu'en fait, tu sens que la 6 majeure, ça bug complètement, bah c'est que là, tu es vraiment dans la tonalité de la mineure naturelle, en fait, et que tu peux pas te permettre de jouer avec ce changement de sixte. Donc dans ce cas-là, bah, tu prends la sixte mineure, qui est sur la case 6, juste ici. Donc au lieu de faire 8, 7, 5, tu vas faire 8, 6, 5. Alors, vu qu'ici, moi, j'ai juste un power chord de là, en fait, les deux fonctionnent. Bah tiens, attends, on va faire un autre exemple, que ce soit plus parlant. Donc là, tu vois, bah, on va prendre Stairway to Heaven, tiens, justement, regarde. Attends, ça va pas aller, parce que là, il y a trop d'enchaînements d'accords, on va faire un truc tout simple. Donc là, si j'applique ma recette tout à l'heure... Bah, tu vois, c'est marrant, je suis pris à mon propre piège parce que justement là, je pensais dans ma tête la mineure naturelle, mais en fait là, la configuration d'accord que j'ai faite fonctionne aussi bien en la mineure naturelle qu'en la dorien. Donc bon, bref, là en fait ma sixte, tu vois, ma sixte majeure marche correctement aussi. Mais bon, c'est pas grave, je vais te montrer quand je joue la sixte mineure à la place. Ça donne un côté tout de suite beaucoup plus dur en fait à ce que tu joues. Ok, donc sixte mineur à la case 6 et sixte majeur à la case 7. En sachant que les deux par contre sont pas trop compatibles. Soit tu joues avec l'une, soit avec l'autre, mais tu vois, d'enchaîner les deux, ça va pas fonctionner là pour le coup. Donc tu choisis ton camp ou alors tu modules pendant ton solo, tu vois, c'est possible aussi. Thank you.
Mais tu vois, de manière générale, c'est quand même pas terrible de les mélanger les deux. Bon, je suis désolé, je pense que j'ai pas du tout été clair dans mon explication du coup. Mais voilà, dans l'idée, tu peux rajouter cette note qui va te permettre de mettre beaucoup plus de couleurs dans ton solo, tu vois, sans parler de technique à proprement parler. Et si tu veux trouver plutôt des plans et voilà, des trucs vraiment pour enrichir ton jeu, va voir ma petite vidéo, la 8 secrets Pinta. Et je pense que tu devrais avoir pas mal de pistes là-dedans. Patty Quinn, je suis ta question. Oula, pardon. Désolé. Thibaut a déjà fait des vidéos sur les loopers, mais bon, un nouveau peut-être. Alors, bon, je n'ai pas tout suivi là. Désolé, Patty Quinn, je n'ai pas très bien compris à qui tu fais référence. Pas facile la justesse d'un bend quand on débute, c'est très moche à entendre quand on ne maîtrise pas. Je parle de moi, bien sûr. Ouais, bah, Michael, je te rassure, hein, moi je fais encore des gros pains sur mes bends aussi, hein, ça m'arrive. J'ai fait un tuto aussi là-dessus, Michael, si ça t'intéresse, pour jouer à la manière d'Oasis, c'est sur Roll It Over. Qui est un morceau qui est très cool, que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment un tuto où on fait que des bends. Je te montre comment, voilà, les petits réflexes à choper sur la guitare pour avoir ta note de référence, comment bien travailler le mouvement. Donc, va voir ça. C'est Oasis Roll It Over. Et en plus, tu verras, c'est très facile d'improviser sur le morceau. La grille est cool. Donc, si tu veux bosser tes bends, ça peut être un bon exercice, ça. Voilà. Vraiment bravo pour ta pédagogie. Elle est top. C'est trop sympa. Merci à toi. Ok, merci. Salut Thibaut, le chorus et mixer me fait de l'œil. Il est cool, il y a mieux pour 130 euros ou moins. Alors, le MXR Chorus, je ne le connais pas, Nicolas, très franchement, donc je ne veux pas te dire de bêtises. Généralement, MXR font des très bons effets, je ne vois pas pourquoi le chorus serait pas bon. Après, moi, je sais que pour le coup, j'aime vraiment beaucoup le son du chorus de chez Boss. Et j'aime beaucoup aussi le Small Clone de chez Electro Harmonix. C'est deux chorus qui sont très différents au niveau de leur philosophie. Mais il faut vraiment que tu ailles essayer. Parce que il faut voir vraiment le son, comment il se comporte. Et par contre, j'ai découvert chez Palf, il n'y a pas très longtemps, mais je ne me souviens plus du nom de la pédale malheureusement, mais un chorus que j'ai adoré. C'était chez Drunk Beaver. Donc si tu connais Palf, tu vas regarder sur leur chaîne, tu verras, c'est une vidéo où on teste des effets de Drunk Beaver et le chorus, il est vraiment monstrueux, quoi. Donc celui-là, pour le coup, j'ai pu l'essayer. D'ailleurs, faut que je rappelle Alex de Palf parce que je voulais lui commander et il est super cool. Donc s'ils l'ont en stock et que tu as envie de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est un super bon chorus. Donc voilà, jette un petit coup d'œil sur les pédales Boss, Electro Harmonix Small Clone, le MXR qui doit sûrement être cool aussi, et puis cette variante chez Drunk Beaver si tu veux partir sur une pédale un peu plus boutique et d'une marque un peu moins connue. Le problème des amplis avec du corps ou la connectique qui va bien, c'est que ça envoie et je n'habite pas dans un corps de ferme et jouer tout le temps avec un casque, je n'aime pas trop. Ouais, bah, je te comprends, hein, Christian. David, quelle enceinte active pour brancher le looper RC500 ouais, alors là, David, enfin The Van, pardon, désolé, je saurais pas te conseiller là-dessus, parce que moi, les enceintes actives, j'y connais que dalle. Enfin, moi, j'utilise du coup, tu sais, moi, je suis branché sur ma carte son, et du coup, pour tous mes tutos, là, je suis en train de jouer avec ma paire de Yamaha HS7, qui sont vraiment des super enceintes, qui sont puissantes, avec un rendu assez neutre, et j'ai vraiment pas de surprise, quoi. C'est exactement ce que j'entends et qui est retranscrit dans les vidéos, donc ça, pour ça, c'est hyper pratique. Après, si tu parles d'enceintes, peut-être pour jouer en groupe ou sur scène, clairement, c'est pas du tout adapté, mais dans ce cas-là, tu peux partir, tu sais, t'as les solutions maintenant de colonnes avec un caisson de basse et puis une colonne comme ça, et ça marche hyper bien. T'as notamment chez Yamaha, ils en ont sorti qui sont très très cool. Donc je sais pas exactement quel est ton besoin, David, pour ça, mais après, si c'est à la maison, tu vois, parfois ça m'arrive avec ma petite Bose Soundlink, tu sais, les petites enceintes Bluetooth, alors que je branche en filaire, mais en sortie de pedalboard ou derrière le clean, ça fonctionne hyper bien aussi, même les petites enceintes comme ça. Donc si c'est juste pour la maison quand tu gratouilles, tu peux aussi essayer avec ce que tu as. Ça n'abîmera rien du tout, hein, t'inquiète pas, parce que de toute façon, ton RC500, la partie batterie, elle est déjà traitée comme un rendu Hi-Fi. Et puis si en amont, pour ta guitare, tu as bien traité le son avec une simulation d'ampli et une simulation de haut-parleur, tu peux rentrer dans n'importe quoi, hein, que ce soit une chaîne Hi-Fi, une Sono, une carte son, ce que tu veux, tu n'abîmeras rien du tout, il n'y a pas de problème, sous réserve que tu as bien enclenché la simulation de haut-parleur et la simulation d'ampli. Donc n'hésitez pas à tester avec ce que vous avez à la maison, parfois on est souvent bluffé du résultat, hein, en fait. Ça peut être une bonne alternative. Ensuite, j'envisage de prendre un looper.
Pardon, j'envisage de prendre un looper, mais j'hésite entre un looper Boss RC202 pour le jouer à la main, ou alors intégrer à mon pedalboard un petit ditto. Connais-tu ces deux modèles? Ouais, bah là, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Dans tous les cas, que ce soit le ditto ou le Boss, c'est des très bons outils. Là, c'est vraiment une question de philosophie. Il faut que tu te poses la question de comment tu vas manipuler ton looper, si c'est à la main ou si c'est au pied. Après, au pied, bah, moi, j'ai suffisamment parlé des loopers sur la chaîne. Il y a la vidéo sur comment choisir son looper, la vidéo sur la gamme Boss. Évidemment, le ditto, en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus très intéressant parce que il marche super bien, mais je trouve que la concurrence fait mieux pour le même prix en termes de prestations et de nombre d'options. Mais après, c'est un super bon looper. Donc, si toi, tu es fan de la marque et que tu veux un ditto, prends-toi un ditto, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il faut vraiment que tu te poses la question de est-ce que je manipule à la main ou est-ce que je vais manipuler au pied? Et ça, il n'y a que toi qui as la réponse là-dessus. Peux-tu m'expliquer pourquoi le mode éolien et la gamme mineure naturelle, c'est pareil? Je pense que tu as compris que les modes, c'est pas évident pour moi. Ouais, alors Alain, je te rassure, c'est évident pour personne, les modes. Hein. On galère tous pour comprendre ces foutus modes. Hein. Moi, le premier, ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, petite sirène de flic, sympa. Alors ça, c'est un truc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je pète des câbles quand je tourne mes vidéos, parce qu'en fait, il y a le SDIS qui est tout près de chez moi, et donc hyper souvent dans la journée, il y a les camions de pompiers qui passent, et généralement, je suis lancé en train de tourner mon tuto sur le passage un peu compliqué du solo, et puis là, paf, la sirène, donc je suis dégoûté, il faut que je recommence. Enfin bon, bref, voilà, je vous raconte ma vie. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur les modes, Alain. Oui, donc voilà, rassure-toi, c'est quelque chose qui est compliqué parce que souvent aussi on n'a pas les bons outils et pas forcément la bonne approche en fait pour comprendre tout ça. Donc je sais que je fais un peu de redite, mais évidemment si c'est un univers qui t'intéresse et que tu veux comprendre, je peux que t'encourager à aller regarder ma formation qui s'appelle Comprendre enfin les modes, parce que là c'est vraiment le but de tout le masterclass. Je pars vraiment de ce qu'est une tonalité pour ensuite comprendre bah, comment fonctionne un mode, pourquoi c'est différent, de quelle manière on va pouvoir faire sonner un mode dans certains contextes et pas dans d'autres, pourquoi quand on dit qu'on aimerait jouer le mode éolien sur n'importe quel morceau, ça va pas forcément fonctionner. Enfin voilà, en fait, comprendre vraiment les fondamentaux, tout ça, c'est dans la formation. Mais si tu veux déjà défricher un petit peu le truc, tu peux aller regarder ma vidéo qui s'appelle justement Tonal ou Modal, la différence. C'est un extrait de la formation. Et avec un peu de chance, tu vas trouver la réponse à ta question dans cette vidéo. Tu n'auras même pas besoin d'acheter le cours. Parce que là, c'est pareil, c'est des explications qui prennent un petit peu de temps. Donc, je ne vais pas trop m'embarquer là-dessus dans cette vidéo, j'en suis désolé. Donc, va jeter un coup d'œil à cette vidéo, la tonale ou modale, comprendre la différence. Je pense que ça pourrait t'aider quand même pas mal. Ampli à lampe ou à modélisation? Pouah, Brian, je pars même pas là-dedans parce que sinon on est foutu. Moi, pour le coup, tu vois, j'ai un ampli à lampe et j'utilise des modélisations dans tous les sens. Donc, je trouve que les deux sont aussi bien l'un que l'autre. Chacun ses avantages et ses inconvénients. Mais là-dessus, moi, je suis pas du tout tranché. Ce qui compte, c'est d'avoir une config qui te plaît, un son qui te plaît et surtout que ce soit un bon équilibre entre facilité d'utilisation et qualité sonore. Chacun fait sa tambouille et à la fin, voilà, ce qui compte, c'est que toi, tu sois satisfait. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, tu choisis ce que tu préfères. Tu aurais un ampli à me conseiller qui peut être joué dans une petite pièce, genre avec une sélection de puissance, 1 watt, 20 watts, avec la connectique qui va bien. Bah, pareil, Christian, va regarder mon article sur les amplis, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de propositions, que ce soit en ampli à lampe, en ampli transistor, en ampli hybride. Mais là, comme ça, tu vois, si tu cherches un truc pratique tout en restant assez classique et que tu veux pas trop t'embêter avec plein de réglages, tu as la série Blues Cube de chez Roland qui est très très cool, où c'est une technologie à transistor numérique, mais par contre qui émule vraiment le comportement des lampes de manière assez bluffante. Alors c'est pas des amplis qui sont donnés, mais par contre le son est vraiment très très cool. Et c'est un petit peu tous les avantages de la lampe, avec tous les avantages aussi du transistor, notamment en termes de puissance de sortie, etc. Donc voilà, jette peut-être un coup d'œil sur cette gamme d'amplis, là, les Roland Blues Cube, qui sont très intéressants si tu cherches du son un peu classique. Je trouve la Small Clone trop brouillon. Ouais, carrément. Bah, la Small Clone, c'est un vrai bordel cette pédale. Moi, j'adore justement parce que c'est brouillon, mais c'est une pédale très clivante. Hein. Il faut faire attention et bien les essayer. Hein. Les Chorus, ils ont des sons très différents. Et voilà, on peut très bien adorer un Chorus et en détester un autre. Il faut essayer. Que penses-tu de la modélisation? Bah, je viens un petit peu d'en parler aussi, Alban. Moi, j'ai
Voilà, c'est un peu, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver un son qui vous convient, les amis. Donc après, en fonction du budget, en fonction des envies, en fonction du souhait qu'on a ou pas de se compliquer la vie, voilà, il faut partir vers la techno qui nous plaît le plus. Voilà, moi, je suis très à l'aise avec mon pedalboard parce que bah, je mélange le meilleur des deux mondes. J'ai mes pédales qui sont certaines analogiques, certaines numériques. J'ai mon petit préamp à lampe de chez Two Notes qui marche très bien. J'ai mon RC500 derrière qui est complètement numérique, je rentre dans ma carte son, c'est que du numérique aussi. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, en fait, le numérique est forcément quelque part dans notre chaîne de son. Donc voilà, après, la modélisation sur l'ordi, moi en fait, je le fais pas parce que quand je tourne mes vidéos, j'aime bien avoir tout à mes pieds sans avoir besoin d'aller cliquer, de changer des trucs et tout. Mais enfin voilà, il y a des rendus qui sont complètement dingues aussi avec les modélisations. Donc là-dessus, il faut essayer. Et puis je pense aussi qu'il faut un petit peu persévérer avec le matos qu'on a. Parce que tout matériel demande à être dompté, demande à être bien réglé pour obtenir les résultats qu'on veut. C'est pas instantané comme ce qu'on peut croire parfois sur YouTube quand on voit des gens qui font des tests de pédales avec un son de dingue. En fait, tu te rends compte que la guitare, elle a été enregistrée 6 fois, qu'il y a 3 batteries qui sont derrière, que tout est produit à mort. C'est pour ça que moi, sur la chaîne, j'aime bien aussi avoir ce côté très basique, entre guillemets, où moi, je fais tout en direct avec mon pedalboard. Et là, bah, vous voyez, enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Là, je suis en direct avec vous. Voilà, quand je vous dis que la Savage plus la Ego Driver, ça sonne comme ça. Voilà, c'est exactement ce que moi j'entends, et puis après, c'est ce que vous entendez aussi dans les vidéos, dans tous mes tutos. Enfin, en fait, moi je passe zéro temps à faire du mix sur l'ordi. Là, une fois que la guitare est enregistrée, j'exporte la piste sans rien faire dessus, puis je la mets dans mon truc de vidéo, et puis c'est réglé quoi. Donc voilà, c'est ça l'avantage de cette solution. Mais donc voilà, chacun son camp, et j'ai pas trop de problèmes avec le numérique, avec la modélisation, avec les lampes. On s'en fout du moment que ça sonne. Tu es très agréable à suivre sur YouTube. Merci Nico, c'est sympa. En vacances, joues-tu de la guitare, Fred Sirocco? Ça dépend. Ça dépend des fois. Là, tu vois, pour les vacances, on va avoir une grosse fête de famille où on va être nombreux. Donc, je pense que je vais emmener la guitare, mais parce que ça va être cool d'en faire avec les autres et pour les autres. Après, moi tout seul, quand je pars en vacances, enfin, avec ma femme ou qu'on se fait des vraies vacances, je prends pas ma guitare parce qu'il faut couper, quoi. Au bout d'un moment, sinon je pèterai un câble. Moi, je suis pas du tout de l'école où il faut absolument jouer 6 heures par jour, y compris pendant les week-ends, les jours fériés, les machins. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas du tout une grosse machine à la guitare, hein, parce que sinon, ça s'entendrait. Mais voilà, moi j'essaye de concilier un peu les choses. La guitare, c'est mon métier, j'en fais beaucoup. Et quand je suis en vacances, bah, je suis en vacances et je laisse la guitare au placard. Et puis même si c'est pendant 2 ou 3 semaines, bah, quand je reviens, généralement ça se passe pas trop mal, hein. Voilà, c'est comme pour tout, tu passes 1 ou 2 jours à te remettre un petit peu dedans et puis après ça revient, hein. C'est pas non plus comme si j'étais Steve Vai ou Pascal Vignier avec un niveau technique de malade et que du coup, dès que j'arrête de jouer pendant 1 heure, je vais perdre 10% de mes capacités. C'est l'avantage d'être un guitariste très basique comme moi, c'est qu'au moins tu es toujours à peu près au même niveau, tu vois. Donc voilà, non, non, en vacances, j'évite en général, ou alors c'est juste pour le plaisir, mais c'est pas pour bosser. Ta femme joue-t-elle de la guitare? Bah, elle gratouille un petit peu. J'ai essayé de la mettre à la batterie, elle a voulu se mettre à la batterie aussi, mais bon, c'est pas inné, on va dire chez elle, et c'est dommage parce qu'elle a un peu lâché l'affaire, parce que bah forcément, moi, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je fais de la musique, et donc bah, c'est toujours un peu frustrant, même si je suis pas bon à la batterie, enfin, j'arrive à faire 1 ou 2 rythmes basiques, et pour elle, bah, même au bout d'un an de cours, bah, forcément, elle n'a pas mon aisance musicale, donc voilà, c'était un peu dur pour elle, mais j'espère qu'elle va s'y remettre. Et puis en plus, on n'avait pas une config très très pratique chez nous au niveau de notre appartement et tout pour la batterie, même si c'est une batterie électronique, c'est quand même pas top pour les voisins. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir trouver une solution pour faire un peu plus de musique tous les deux. Ce serait cool pour le plaisir, parce que c'est vachement sympa de partager ça avec elle. Fais un morceau avec les pimpons en loop. Eh ben, tu rigoles, mais figure-toi que j'ai fait aussi un petit tuto là-dessus pour. Alors ça remonte un petit peu. C'est un tuto express qui doit durer 3 minutes pour faire le son d'une ambulance à la guitare et reproduire l'effet de la sirène. Tu peux aller regarder ça si tu as 5 minutes à perdre. Tu vas voir, c'est assez marrant. Je pense que tu tapes tuto ambulance guitare plug and play, tu devrais trouver.
Quel tuto conseilles-tu pour le débutant en looper, Michael? Si tu parles de ma chaîne, parce qu'il y a sûrement plein d'autres tutos très cool hein, sur le looper, mais en tout cas, moi, sur ma chaîne, je te conseille mon tuto sur Placebo Protect Me. Tu tapes Guitar Plug and Play Protect Me Placebo. C'est un loop and play qui est très abordable, avec un petit arpège à faire au début qui est assez facile avec des cordes à vide. Bon, il y a un petit peu de boulot hein, si tu débutes complètement, mais normalement tu devrais assez vite t'en sortir. Donc tu as le petit arpège à faire qui est très cool. Après, il y a un solo qui est sympa aussi à rajouter par-dessus. Ça permet de prendre en main le looper sur des choses qui sont assez faciles. Donc voilà, tu vas pas être en galère sur des temps très compliqués pour louper et tout. Donc essaye ça. Je pense que tu devrais bien t'amuser avec ce tuto-là. Merci pour tous les conseils. Ben avec plaisir. Que penses-tu des Ibanez RG? Donc ça c'est Claude. Claude le Bolos. C'est quoi ce pseudo? Excellent. Ben les Ibanez RG, moi je trouve que c'est des super grattes. C'est pas trop mon truc en fait Ibanez parce que moi j'aime bien les guitares un peu plus vintage. Mais bon, à chaque fois que je joue sur une Ibanez, j'adore ça, quoi. Enfin, les RG, c'est un confort de fou au niveau du manche et tout. Mais ça correspond pas tellement à mon jeu, en fait. Moi, j'ai quand même un jeu qui est un peu plus blues, un peu plus à l'ancienne, qu'un jeu très technique et très moderne. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop sur Ibanez, mais c'est des super bonnes guitares. De toute façon, de manière générale, Ibanez, c'est une marque qui est très très cool, hein. Voilà. Mortnam. Ah, trop cool. Et pour une fois qu'on arrive déjà à se croiser sur un live, parce que toi, malheureusement, à chaque fois, c'est un peu compliqué, mais ça me fait très plaisir que tu sois là. Et c'est normal hein, que tu n'aies pas su qu'il y avait un live. Moi non plus, je ne le savais pas il y a 2 heures. Je l'ai lancé complètement à l'arrache, sponsorisé par Two Notes. Oui, c'est vrai, j'ai le t-shirt Two Notes, je n'avais même pas fait gaffe. Vas-tu nous parler du Revolt en avant-première? Écoute, j'aimerais bien. J'aimerais bien, on va voir si Two Notes me fait signe, mais en tout cas, ça m'éclaterait de le tester parce qu'il a l'air super cool, le Revolt. Donc on verra si ça bouge un peu à la rentrée, mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir. As-tu déjà essayé la Gretsch 5230? Wow. Là, tu me balances des références comme ça. Attends, c'est laquelle celle-là? Gretsch, j'ai jamais joué sur une vraie Gretsch. J'ai joué sur les Gretsch qui sont asiatiques, qui sont très sympas d'ailleurs. Si, je pense que tu parles de ça, où il est électromatique. Ouais, bah si, c'est trop sympa ça. J'avais un élève qui en avait une, je la trouvais super cool. Franchement, le rapport qualité-prix sur ces guitares-là, c'est assez dingue. Hein. Par contre, j'avais pas essayé la version avec Bixby. Donc moi, c'était un chevalet fixe. Donc voilà, la tenue d'accordage était très cool. À voir, mais no normalement, sur le papier, en tout cas, tu peux foncer. Un bon rapport qualité-prix. Moi, je trouvais que c'était très bien fini, ça sonnait bien. Bon, les micros n'ont pas autant de niaque et de dynamique que sur les modèles qui coûtent 3 fois plus cher, évidemment, mais en tout cas, c'est quand même un bon plan. Donc si la forme te plaît et l'esprit te plaît, tu peux y aller sans problème. Et Alban, bon les amis, là je vois l'heure qui passe. Alban qui repose une question. Allez, on va dire qu'il y a encore 2 questions après si vous voulez. Et puis il va falloir que je coupe, malheureusement, qu'on puisse profiter un petit peu de la soirée. Je me permets de te reposer une question. As-tu des conseils pour réussir à régler les égalisations? J'arrive jamais à voir le son que j'ai en tête. Ouais, alors ça, c'est pareil, c'est pas évident de répondre à ça. Alors, déjà de base, ce que je peux te conseiller, c'est que sur ta guitare, tu mets tout à fond. Hein, grosso modo, une guitare, en fait, elle est faite pour avoir les potards à fond. Donc, tu mets ton volume à fond, tes 2 tonalités au max, et là, en fait, tu es dans la configuration standard de ta guitare. Une fois que tu fais ça, sur ton ampli, c'est pareil, tu mets tout à midi. Okay, donc, basse, médium, aigu à midi. La présence, tu peux la couper au début, parce que généralement, la présence, c'est vraiment plutôt fait pour le live, en fait, quand tu veux ressortir du mix en rajoutant encore plus de brillance, mais quand tu es à la maison, tu n'en as pas forcément besoin. Et une fois que tu as tout à midi, plutôt que de pousser les graves ou les médiums, essaye de travailler à l'envers, en fait, essaye de baisser certaines fréquences. Tu vois, par exemple, tu vas baisser un peu les graves, ton potard de grave, et souvent, ça va faire ressortir les médiums, mais du coup, de manière moins agressive que si tu pousses à fond ton potard de médium. Et je trouve que c'est intéressant de bosser comme ça, tu vois, plutôt de diminuer les fréquences, quitte à réaugmenter un petit peu le volume à la sortie, plutôt que de tout pousser. Voilà. Et par contre, le truc tout basique, c'est que généralement, en fait, ce qui manque pour ressortir, c'est du médium.
Donc, n'hésite pas, si tu joues en groupe, peut-être à la maison, ou quand tu fais des, je sais pas, si tu fais des playbacks par-dessus des, enfin, si tu fais des solos, pardon, par-dessus des playbacks, et que tu as l'impression que ta guitare ressort mal, c'est pas un problème de volume, c'est souvent un problème de médium. Donc, dans ces cas-là, commence par enlever un peu de bas, et ensuite, tu rajoutes un petit peu de médium, un petit peu d'aigu, et voilà, tu essaies de composer un petit peu avec ça, et généralement, ça marche quand même assez bien. Voilà. Et sinon, bah, quelques réglages de base. Par exemple, moi, je sais que pour du son blues rock, j'aime bien avoir basse et aigu à midi et les médiums à peu près à, entre 2 et 3 heures. Après, je sais que quand je veux faire des sons un peu plus jazzy, un peu plus chaud, je vais mettre basse et médium à 6-7 heures et les aigus à peu près à 4 heures, grosso modo. Et puis après, dès que je veux avoir du son qui est un petit peu plus, un peu plus couillu, je vais mettre les basses et les aigus à peu près à 6-7 heures. Et les médiums à peu près à 4 heures. Voilà, grosso modo. Après, ça dépend des guitares, du son que tu veux, etc. Mais c'est quelques référentiels, tu vois, c'est trois référentiels de base qui permettent de s'en sortir dans à peu près n'importe quelle situation. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Et puis, alors, pour terminer, as-tu déjà modifié une de tes guitares? Ben, simplement ma Strat noire sur laquelle j'ai changé les micros. Là, j'ai mis les EMG DG20 dont j'ai déjà parlé. Il y a tout un tuto dessus où je fais le test de la guitare, si ça t'intéresse de regarder ça. Et puis, ah, Christian, salut Christian. Hello Thibaut, comme notre métalleux préféré, je suis de passage par hasard. Bonne soirée. Ben, écoute, ça me fait super plaisir de te croiser, Christian. J'espère que tu vas bien. Christian, un de nos plus grands animateurs du forum sur Guitar Plug and Play, un membre très précieux de la communauté Guitar Plug and Play. Ça me fait super plaisir de te croiser ici. Et puis, bah tiens, parfait. Bagnar78, tu vas clôturer ce live avec ta question. Comptes-tu acheter une guitare prochainement? Eh bien, écoute, non, je ne compte pas acheter de guitare prochainement parce que j'essaye de me retenir et je sais que j'en ai pas besoin. Et j'ai beau voir plein de guitares qui me font de l'œil, voilà, j'essaye de me retenir. Surtout que là, en plus, j'ai mon appareil photo qui vient de me lâcher, enfin ma caméra pour les tutos. Donc là, je suis hyper content. Il va falloir que je lâche un gros billet pour me rééquiper. Donc là, la guitare ne sera pas la priorité. Mais en tout cas, ouais, je pense que si je peux me racheter une guitare, il y a beaucoup de chances pour que ce soit une Tokai Love Rock, là, les Les Paul de chez Tokai japonaise, que je trouve vraiment super cool. Parce que là, ma Gibson Studio, je m'en sers pas. En fait, à chaque fois que je veux la jouer, elle tient pas bien l'accord et tout. Ouais, elle m'emmerde cette guitare, donc je partirais bien là-dessus. Et puis voilà, mais bon, il n'y a aucune urgence pour moi pour ça. Voilà les amis, et puis Plug and Switch qui reposait une dernière question, combien de guitares as-tu au total? Tu peux aller regarder ma vidéo, pareil, où je présente toutes mes guitares, je sais plus combien j'en ai, ça en fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'en ai 7 avec mon acoustique, voilà, enfin j'ai 5 guitares électriques, une basse et une guitare folk, voilà, et c'est déjà trop, mais c'est pas assez quand même. Bon bah voilà les amis, écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que malgré le format ultra à l'arrache du live, vous avez quand même pu apprendre quelques trucs et surtout que vous avez passé un bon moment. En tout cas pour moi c'était très sympa de pouvoir partager un petit peu de temps avec vous avant mes vacances parce que ça m'ennuyait de ne pas pouvoir refaire un tuto pour terminer. Donc, je vous souhaite à tous un très bon été, de bonnes vacances. Je vous rappelle qu'il y a le masterclass Led Zeppelin qui est gratos sur le site de Guitar Plug and Play maintenant. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ça vous fait un super cours gratuit là, pour les vacances si vous avez un petit peu de temps devant vous. Et puis, on se retrouve dans quelques semaines à la rentrée. Et je vous dis à tous à très bientôt et bon week-end. Allez, ciao, ciao!